Salut les gens, c'est Tardarin, je suis toujours en compagnie de Katox, de Weirdmec et d'Atemir. Nous sommes sur du Baldur's Gate 3. Et là, je vois que Katox vient de gagner des sous pour avoir réussi sa performance. Bonsoir les gars. Des sous, on me vole mes sous. Le ça gars. Salut. Le gars, il extorque des réfugiés, quoi. Salut. Ouais. Allez. On prend l'argent là où il se trouve. Et est-ce qu'ils ont besoin d'argent? Non, ils ont besoin de refuge. Oh. Alors, l'argent, c'est de l'avoir fait les deux. Ouais. Bien, donc il faudrait qu'on trouve un petit qui s'appelle Moll. Attends, parce que je parle d'abord au parent du gosse. Ah, tu parles au parent du gosse, mais oui, mais bien sûr. Elle a failli mourir, quoi. Waouh, oh, ce chapeau. Ce chapeau est. Et la moustache, elle est. C'est un tout, quoi. Si c'est votre fille, je vais me faire une petite récompense. Yeah. I mean, thank you for helping me. Ah, un médaillon. T'as gagné quelque chose? Un médaillon qui donne le sort lumière dansante. Ah, oh, c'est stylé ça, Dancing Light. Bah c'est qui voit comme à travers une pelle dans le noir? Bah toi. Bah non, moi je suis nain. Personne, on est tous elfes, donc on a tous Dark Vision. Ok, d'accord. Katox aussi? Oui. Bah oui, je suis demi-elfe. Il est demi-elfe. Voilà. Bah après, ça peut toujours être utile. Moi personnellement, pour le moment, j'ai pas de collier. C'est là, je peux porter si vous voulez. C'est ici. Le serpent. Ah ouais, trou. T'es sûr? Fallait pas qu'on parle au gamin. Non, j'ai rien dit. Mais je sais pas. Non, il faut qu'on arrive à trouver Moll. Et une fois qu'on aura trouvé Moll, on pourra lui parler et il nous donnera l'accès. Le tout, c'est de le trouver, bien évidemment. Ah non, c'est à Tony qu'il faut parler justement. Ouais. Je cherche l'antre du dragon. Locas. Hop là, et maintenant on peut y passer. Ah. Ah bah il est là-dedans, Moll. Yep, allez, je te laisse aller lui parler. Ah, je trouvais des outils de voleur. Wouah, c'est tout, c'est trop haut, je peux pas sauter là-haut. Ah, j'ai trouvé Moll, tiens. Là. J'ai bloqué la caméra. Ah oui. Says you got him out of a tight spot with some harpies. Gotta say, you saved Arabella from the druids. Don't know what those bastards would have done. On a l'impression que tu comprends jamais rien à ce qui se passe de la situation, Atemir. C'est un peu le cas. Quoi? Non, elle me parle. Je vous rappelle que j'ai 8 dentelles. Ah bah, pas le plus. Ça se porte légèrement sur ton visage, je vais pas te mentir. Anyway, you want to talk? Talk. I do, as a matter of fact. Revenge. You saw what those bastards that run the place were doing to Arabella, scaring the precious mite. I want to steal that big, shiny idol they're all chanting at. Alors. Ouais, tu peux voir ce que tu peux faire, hein. Comme ça tu découpes le gamin et on se casse. Ouais, parce que bon, la dernière fois ça a un peu foutu la merde, donc on va peut-être s'abstenir de recommencer. Ouais, alors que ça a été fait il y a à peu près 5 minutes. C'est ce qu'on appelle un plan foireux. L'important chose, c'est de le sortir de là. Ce rituel va nous tuer tous. Et nous pouvons le vendre une fois que nous sommes à la ville.
thing like that's got to be worth a small fortune. Hein? C'est un gosse ou... Non. Ouais, on va voir. Be careful. They look as brittle as old bark. But they're vicious. Anything else? Qu'est-ce que tu vends? T'as mon Magic Missile, tu l'as déjà, t'es d'accord? Ouais, je l'ai déjà. Après, il y a des flèches, un élixir d'héroïsme, un élixir de résistance au poison, et voilà. Enfin, moi je vais juste lui vendre, j'ai tout un tas de conneries à lui vendre, donc je vais lui vendre. Et on est bon. Et on est bon, et voilà. Voilà, ça aussi je peux le vendre. C'est une gosse ou c'est un mastermind? Oh, je pense que c'est, ouais. Elle a grandi très vite. Ah ouais, là... Wouah, c'est si long, on peut pas aller là-haut. Moi, je suis sûr qu'on aurait pu faire des trucs merveilleux en allant par là-bas. Il y a un coffre. Oh, j'ai tellement envie de vider le coffre. Non mais vous êtes parti où? Je sais pas, moi je cause au gamin là. Moi je suis ressorti. Ouais. Ouais, pareil. Ah là, là, là. Bien, on commence à explorer légèrement le dehors de. Ouais. Du bosquet. On va sortir d'ici là parce que. Il faudrait parler à Zavlor. Qui est dans le camp. C'est qui Zavlor. Sur la carte, je regardais sur la carte, ça dit d'aller parler à Zavlor. Effectivement, on retourne sur Zavlor. Ah oui, c'est. Non, mais non, on peut pas lui parler. On peut pas lui parler. C'est quand on parlait à Katga là, elle disait causer à Zavlor pour lui dire, dire qu'il faut que les Tiflins se barrent. Mais du coup, on n'a pas spécialement envie d'aller lui dire qu'il faut que les Tiflins se barrent. Enfin, à moins que ça se trouve, lui dire attention, elle peut vous mettre à la porte, mais je pense qu'il est déjà au courant, quoi. On va d'abord trouver. On va chercher Asselin. Voilà, et la fameuse cachette. Tu parles à qui? Je parle au jumeau d'Éblique de. Aradine. Est-ce que. Tu parles à Aradine? Oui. Je sais pas où vous en êtes dans tous vos sorts, etc. machin, mais est-ce que vous voulez faire un long rest avant qu'on reparte de la ville vers d'autres aventures pour un moment? Ce que je disais, c'est qu'on peut avancer un petit peu. Tout petit peu, voir un peu comment ça se goupille, et si jamais on se rend compte qu'on a un camp d'ennemis en face de nous, là on fait un repos long pour se remettre d'équerre. Moi en plus, il faut savoir que j'ai une restauration magique qui permet de recharger mes sorts. Donc techniquement je peux sustain, mais vu que Katox a besoin de regagner des PV, il faudra forcément qu'on fasse un repos long à un moment. Ouais, bon après c'est pas non plus... Survie réussie. T'as fait quoi? Bah j'ai trouvé la porte de l'extérieur. Ah. Il t'a filé une quête non du coup Ouais. C'est quoi la quête? Il faut trouver un artefact qui s'appelle le chant de la nuit. Chant de nuit. Bah, c'est si loin. C'est si loin. Et donc on va pas parler à Kiki. À qui ça? À Zavlor. Non, ça me ferait plus dans la merde qu'autre chose. Ok. Katox, lui, j'ai l'impression qu'il va en direction de. La cachette. La cachette secrète. Ah oui d'accord, vous êtes carrément barré. Bah c'est pas ça le truc. Si tu TP à Emerald Grove environ. Hein. Généralement le TP il est pas mal. Alchimie. Je pense que je vais faire ça parce que je comprenne à quoi ça sert l'alchimie. Bah ça permet de faire des popos. Y'a des gens Je sais pas.
Dans le l'autre, je suis toujours en fufu, donc. J'ai l'impression que si. Il n'y a pas de. On attend Weird Mec pour monter ou. Ouais, ouais, on va l'attendre. Impossible de la destination. Ouais, vous êtes allé par où là? Ah, là! Yes. Ouais, laisse donc passer les tanks devant. Je suis cassé. Là, vous êtes pas... sautes encore. On est loin. Là où t'es, là, tu peux monter. Si tu cliques sur le mur, ça te fait monter. Ah, mais y'a personne en. Ah, ou alors c'est qu'on les voit pas s'il y a des gens. Ah, y'a des gens. Oups. Je voulais sauter en fufu. Il a 666 PV. Quoi? Ouais, ouais, c'est le diable. Voilà. Raphaël, niveau 12. Not to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met. I am Raphael, very much at your service. Légère. Hey, quel grand orateur. Encore et toujours dans la violence. Aussi. C'est vrai qu'un niveau 12. Un 666 PV. Charmed, I'm sure, in more ways than one. We should have a chat. On peut se le faire. But not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Fuck. On a la porte de Baldur, c'est bon, c'est fini. There, middle of somewhere. Ouh, la petite reprise d'orgue là de quand tu viens d'arriver. Ouais, ça pue, hein. Je te demande d'être plus précis ou je dis que c'est un joli décor? C'est un joli décor. The house of hope, where the tired come ouais, tu vois le. And the famished come to feed. Il y a des démons partout dans sa déco. Partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Ok. On va suivre Caprin. Un burger, ça ne l'a pas suffi. Allez. J'avoue que. J'avoue que c'est tenté de remplir l'assiette, quoi. Le mec est là, ah, allez-y manger, bah, ok. Lave ça, là. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Ah, bah voilà. Je l'aime bien, ce perso, je le trouve classe. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Because my compassion is boundless, I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants.
and no solution in sight. I could fix it all like that. J'aime bien la peinture. Ouais. Oui, on sent qu'il est très bienveillant. Je dois y réfléchir. Ouais, je pense. Take all the time you need, but make up your mind before you're counting down with tentacles. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Ouais, tout simplement. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Bon, on s'en est sorti sans dommage. Du coup, on n'a même pas mangé. Ah oui, vous n'avez pas voulu. Oh merde! Lala! Au sauvage! Ah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Pendentif en argent, sort mineur de divination. Décidément, on en trouve des choses. Et un crâne. Ah, oh, il est trop bien ton pendentif! Lequel? Bah celui que tu viens de dropper là. Celui de divination? Ouais, il permet de lancer Guidance. C'est bon ça. Bah je suis déjà là. Bah oui, non, mais ça on est d'accord, mais c'est ça permet de le donner à quelqu'un d'autre. C'est ce que je veux dire. Qui qu'en veut? Moi j'ai le truc avec les lumières. Après dans les dialogues on pourra pas oh, les faire. Bah vas-y file hein. Vas-y file. Ouais, mais tu vois, parfois tu peux pas le lancer sur nous ou t'as oublié. Ah, parce que, et du coup, on est limité. Non, c'est juste qu'il y a des. Je sais pas, je pense que c'est quand le jeu peut-être bug. Dans certains cas de figure, ça me met pas ce que vous faites comme activité, donc je peux pas le mettre dans les bonus, mais je peux vous le jeter à l'extérieur et vous pouvez en bénéficier. Ok. Parfait. Bon, bah. En route j'ai vers la prochaine aventure. Ah, attendez, il y a un truc, j'ai trouvé un truc. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé. Crevasse rocailleuse. Ouais. T'es rentré dedans? Bah, je sais pas. Bah, l'ego, hein. Nature, raté. Quelqu'un s'y connaît en nature? Ah, oh, putain, non. Dommage. Je sais plus si j'ai. Non. Je sais même pas si un échec sur le groupe, tu sais recommencer. Nature, réussi. Bon, ouais. Allez. Ouh, la critique. Alors, par contre, l'animal handling, je l'aime. Oh, t'inquiète, je te rassure, je vais faire Sleight of Hand de base. J'ai plus 6, plus Guidance. Ça devrait le faire. Ah bah non. Putain, quel enfer. C'est dommage. Ah c'est dommage, ouais. Too bad. Non, mais je peux reroll. Pourquoi je peux reroll 1000 fois? Parce que. Parce que t'as deux gagné. Inspirations. Bah vas-y, moi je reroll, on est parti, hein. En avant. Hein. Ah voilà. 26, c'est beaucoup mieux. The spiders scatter and you stash the bag. Ah, bah, je t'ai inspiré, tiens. Ouais. Ah ouais, parce que... Item Receive Pouch. Spider Egg Sack. Et des golds. Bah voilà.
C'est quoi le spider exact? Qu'est-ce que j'en fais? Bah, je sais, mais. Regarde ce qu'il y a dedans. Bah, ouais, vas-y, moi je suis chaud. Mais comment on fait? C'est la vraie question. Bah, dans ton inventaire, elle est pas dans ton inventaire, tu sais pas l'ouvrir. Je suis en train de chercher. Ah, là. Can't use this right now. Bon. Pas plus tard. Okay. Ça me dit que je peux pas. Que je ah, bah, peut-être c'est un truc que tu dois garder sur toi pendant un temps. Un peu comme un œuf Pokémon. Je vais avoir un pote araignée. Et... Enfin bon, elle va sans doute me def quand elle va pop, mais c'est pas grave. Ça, on va t'enlever la psycho que t'as dans le cerveau, sera remplacé par une araignée. Allez, à l'aventure, compagnon. Exactement. Il y a des gens. Là, j'ai des cadavres et des meubles. Si ah. Jamais. Bah, j'ai une sauvegarde. Qui dit sauvegarde dit. Oh, il y a un bouclier en bois rafistolé juste ici. Attends, mais vous êtes parti où là? Ils sont partis de l'autre côté. Au nord, il y a des bonhommes en fait. Au nord, il y a des débiles là. Ah, bouchée de roublard, faut que je prenne. Oh! Ninja! Vous êtes là, là? On dit j'y vais. Mm-hmm. J'y been going. True soul, you can't die. Please. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. J'ai pas eu le temps de te mettre la guidance, mais c'est pas grave. Mais non, mais parce que même moi je l'avais la guidance et ça me l'a pas mis. Bah, je ça me l'a pas rajouté, hein. Non, mais moi, du coup, comme j'ai le pendentif, il me la met pas. Vas-y, soutiens. Protect them. She is a true soul. Mind. She will. She. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. C'est quoi une âme éveillée? Est-ce que c'est pas ceux qui ont l'état de Paul dans leur cerveau? Pas possible. Moi je serais pour poser la question quand même. Oula, on peut scroller. Retrouver la créature et venger votre frère, c'est génial. Allez vous faire tuer en fait. Explain this. Qu'est-ce que c'est, true soul? What? Are you testing us? A true soul like you has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you will rule. Hmm.
I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the absolute still has a great deal to teach me. Exactement. Allez, dis-leur de retrouver l'ours hibou là qui se barre. What? It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the absolute. Bien, bien une fanatique. Ça, c'est un gros méchant, Val. Vas-y. Ouais. It was too much for us before, but if you could help us, Trousseau. Oh, on va aller buter un Olbert, let's go. Bah non. Ouais. Non mais, non, ils vont crever et on va aller buter l'Olbert et les loot eux aussi. Bah pourquoi tu veux buter l'Olbert? Bah pour le loot. Bah ouais. Ah ouais, je peux parler avec les morts au fait. C'est vrai? Je crois et... que j'ai le pendentif. Par contre t'es déjà en train de lui parler non? Je sais pas, j'ai cliqué sur le cadavre pour le looter moi. Mais du coup ça m'a fait un truc. Mon dieu. Tu sais moi, le loot. Hors de question. Bah ouais, on meurt. Attends. Ah, vas-y, je prends ta guidance à toi, elle est sans doute meilleure que la mienne. Bah non, 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 c'est pas ça, mais c'est que... En fait, il faut qu'il arrive. Ouais, oh là là. Casse-toi, tadpole de merde. Bon, du coup, tu m'as empêché de parler avec le cadavre. Et tu peux pas lui parler là? Je suis là en train de regarder ta séquence. Ah pardon. On entend la fin de la séquence. Excusez-moi. C'était pas fait pour que je lui parle, je voulais vraiment juste looter le cadavre, hein, je vous avoue. Eh bah par contre on a gagné de l'XP. Hey, il s'est barré. Quoi? Bah, mais du coup y'a rien dans le cadavre, qui c'est qui a looté le verre? Il s'est barré. C'est moi. Il y avait quoi dedans? Des saucisses. Effectivement, putain, y'en avait plein. Bah ouais. Y'en avait plein. Bon, du coup, moi, je peux pas parler au cadavre. Ok. Pourquoi? Ah ouais? Bah non. Oh. Du coup, il y a une caverne d'Olbert quelque part dans le coin. Ouais. Sachant qu'il y a un gros trou, genre là. Ah ouais. Ah oui, effectivement. Il y a un passage là-haut, là. Bah, tu l'as vu aussi. Vous pouvez sauter par là? Attends, je peux essayer. Je vais essayer aussi. Oh, il y a un cercueil ouvert. Ah, oh, comment vous arrivez à sauter jusque là? T'es parti où, Arda? J'arrive. Je récolte des plantes. Ah, ça se passe bien. Tranquille. Qu'est-ce qui se passe par là? Je trouvais les... Ah mais vous êtes loin en fait, qu'est-ce que vous foutez là-haut? Bon bah moi ah, je peux pas y aller, donc je vais vous regarder. En fait tu reviens au truc des druides. C'est vrai? Ouais. Sûr. Ah oui. Bonjour. Bah bon, super. Bah, voilà. Attends mais par contre il y a un truc à monter là, il y a une falaise. Quoi? Bon moi je vais voir Arda. Ah, y'a un coffre! Oh! Attends. Ouais, bon, y'avait pas grand chose. Y'avait de la thune et une malachite. Une malachite. T'es où, Arda? Ah, il était là-haut, ok. Je suis là-haut. Attends, y'a un putain de panier là. Faut le looter le panier là. Y'a un seau avec des poissons. Il y a des poissons d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils racontent les deux là? Ah,
I can't use this right now. Hop, allez, on se prépare à affronter l'oursibou. Les bourses. Les bourses. Bon. On y va ? Ouais. Allez. On va voir ce que ça donne. Ouais, je sais pas, je sens que c'est bon. Ah, c'est qu'un oursibou. Oh oh. Ouais, il y a l'air d'avoir du loup là-bas. Ouais. Tu te fais défoncer la mouille, non? Oui. Je confirme. Je vais m'éloigner. On va faire un jet d'arcane. C'est pas Arda, essaye. Ah. Oh. Oh, 12. Alors, un petit short rest. Ouais, je peux rien faire. Ah non, on a plus de short rest. Allez, let's go. Aïe. Ah. Ouais, comme ils t'ont tous les deux aidé, t'as 2 PV. Wow, mec. Attends, mais pourquoi on peut pas l'ouvrir? Bah parce que c'est protégé par la magie. J'ai trouvé le gros e-bours, mais pas par là, on va redescendre. Ouais, 91 PV. Non, c'est pas tant ça. Non, mais ça, c'est plus. Enfin, je pense qu'on va peut-être pouvoir se reposer avant. Quoi. Ouais, on va faire un long rest quand même là. Oui, vu notre état. Je vais essayer de réouvrir le coffre. Ok, donc. Mourir. Attends, mais... j'arrive. Il y a Katox, il y a Grotté qui regarde. Ah. Et qu'est-ce qu'il fait? Je te juge, mais on peut faire le long rest ici. Hein. Ouais. Oui. Ouais, on peut le faire ici. Ah, parce qu'on peut, on peut aller par là, vers le Old Bear. Ouais. Ah, ok. Ah, on peut leur parler au PNJ. Ah, et du coup, on peut s'entraîner là-dessus, c'est bien ça. Non. Il y a quelqu'un qui veut parler. C'est qui? C'est Josie? Oui, c'est mon broker là au-dessus. Ah. I should speak up. Ah oui. Something's wrong. Avoir mangé avec un diable me laisse un goût désagréable dans la bouche. Coucou. Ouais, c'était beau ça. Je crois qu'ils mind si on les pickpocket, les potes là. Ouais, ils apprécient pas, je pense. Oh, attends, vas-y, tu veux pas savoir ce qui se passe dans ta tête? Allez. Attends, je te file. Ah non, je peux pas. Je vais te filer la guidance. Oh, t'inquiète, je peux déjà me donner un avantage. T'as un 18, waouh! Ah, 18, c'est chaud, hein. Ah, c'est pour ça que j'aurais bien aimé la guidance. Boum! Oh, allez, pile 18, bravo. Allez! Et les bonus crayou de 23. Elle va tout m'expliquer. Ah, mais c'est parce que je suis trop loin de toi, je pense. You're not going to let this go, are you? I worship Shah, the mistress of the night. Ah ouais? Now that you have the truth, Ravia! Please don't make a big fuss about it. Putain, mais t'as vraiment un flow à chaque fois, toi? Mm-hmm.
ça va, Char, c'est pas la pire. Et même pas ce qu'elle fait, cette déité. Déité ? Oui, déité. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Talk to me later. This day's been long enough already. Ah bah super. Intéressant. Wow. Allez, dodo. Oh bah c'est bien, tu vas pouvoir choisir les 40 de pour dodo là. C'est... Tu te démerdes. À chaque fois, la prochaine fois, de le faire moi aussi, le long rest, parce que je vois pas comment ça se passe quand on est en groupe. En fait, t'as un gros inventaire. C'est pareil que quand t'es pas en groupe. Hein. C'est, en gros, t'as un gros inventaire de toute la bouffe qui existe dans tous les persos, et t'essayes de faire 40. Donc soit tu prends le truc qui fait 40 de base, soit tu mets des pommes avec des boudailles et... On a des bout de saucisse. Allez, on aura du miel, du poisson, du fromage, une pizza et du gruau. Eh bah super. Je prends la pizza. On fout, de mon côté je mange un peu de saucisse. Mais c'est vrai qu'en plus nous on médite les elfes pour dormir, hein, ça va plus vite. Ouais. Allez, Leaf Camp. Et là, on va se marrer. Donc, où est-ce que je vais aller me positionner pour avoir un bel angle d'attaque sur le oursibou ? Pourquoi je peux pas Leaf Camp ? Alors, allez, on va essayer d'ouvrir ce coffre. Allez, on ouvre le coffre. Mais non, bande de. Ah ! Attendez, par contre, juste si vous pouvez me laisser le temps. Oh putain, il est. Ah oui, il est déjà là. C'est trop mimi, il y a un petit et il y a un œuf. Ah bah c'est mort, on va pas buter le. Alors. Oh, il est choupi, hein. Il est choupinou. Il y a un petit, j'arrive pas à le voir, je suis pas assez proche pour charger le truc. Je suis jamais passé par là en alpha, mais je sais que si on gère bien les trucs, il y a moyen de le garder comme pet au camp. C'est vrai ? Un animal de compagnie, ouais. De quoi, le gros ? Ouais, je suis caché, mais genre... Non, le plus petit. Ah ! Un ourson hibou de compagnie ? Ouais. Putain, ouais. Il est classe ! Et en plus, on aura massacré sa nerveau super devant ses yeux. Ah, ils sont morts ! Ils sont morts, les deux débiles, là ! Let's go. Sérieusement ? Oui, j'ai les cadavres par terre. Oups. Je vous avais dit qu'il fallait les envoyer à la mort. Parfait. Bon. Par contre, putain, le oursibou quoi, 91. Comment ça 91 genre 82 PV. 82, ça va le faire. Bon, on attend que le tank passe devant. Regarde quand tu veux. Ouais. C'est plus ciel petit là. Attends. Ah. T'es en combat là ou pas ? Non. Ouais. On y va ? Oh, j'aurais pu faire une représentation si j'avais été avec lui. Quoi. Quand vous voulez. Katox, t'es prêt ? Bah. Ah. Ouais, c'est bon, quand vous voulez. Perdu ! Perdu ! Allez, let's go ! Là-bas, la bagarre. Ah, oui. Hop. Ah. Ah, t'es en dialogue, attends. Ouais. Parce que moi j'allais charger et le taper donc. Ouais, bon, en gros, il nous laisse sortir si on veut sortir. Donc, bagarre alors ? C'est la bagarre ! Wow, ouais. On n'est pas venu ici pour ne pas affronter l'oursibou, hein. Eh bah, si c'est la bagarre, on bagarre ! Oh, mais. Ah putain, il peut taper moi. C'est bon là, vous êtes avec moi ? Ouais. Alors attends. Comment ça j'ai. Ah putain, j'ai pas assez de mouvement. Damn it. Alors, oh bien joué ça. Ouais. Je te vois pas pour
de mettre la bénédiction Katox. Non mais arrêtez de taper Non mais c'est pas, allez-y oh. Moi je suis en... Ah mais d'accord. Tiens joué ça. Tiens. Boah oh. de dommage tu lui as fait. Quoi? Oula, c'était quoi celui-là? Non je lui ai fait 21. Ah ouais? Parce que c'est ça. Oui c'était des dégâts de feu hein. Oh, oh. Oh putain. J'ai pris trop cher. Mais t'es pas mort. Oh la pauvre Bait, on a buté sa mère. Bah ouais. Non. Non, on la bute pas. Attends, mais je pouvais lui parler. Je suis en cinématique avec en fait. Ouais mais tu comprends pas ce qu'elle te dit. Bah ouais mais j'ai pas choisi, qu'on soit clair. Ah. Qu'on soit clair, j'ai pas choisi d'être en cinématique avec, hein. J'ai juste... Moi j'étais à côté en fait, donc c'est... Oh. Bah tu peux pas lui parler là? Non. Non, ah ouais il est sur la fin. Moi je peux lui parler, hein. Oui, mais tu dis... Là tu peux lui parler normalement maintenant. Ouais, il dit simplement qu'il est en train de bouffer sa maman. Oh, ça veut dire que là, on aura pas le... Bah après, on a un œuf. Peut-être que l'œuf, il va éclore. Vous l'avez récupéré où, l'œuf? Ah, moi, je l'ai récupéré, hein. Sur le cadavre... Bah, il y avait un œuf qui se baladait, en fait. Donc on laisse ouais. Le... Bah, oui. T'as trouvé des trucs intéressants, là-haut? Non. Franchement, que dalle. Rien du tout. Même pas une petite sortie, rien. Non, que dalle. Je crois que t'as un truc que tu peux passer et genre tenter de flinguer la mer avec la stalactite fissurée. Ah si bon, ah ouais, mais y'avait un backpack quoi, mais... Hum? Merde, putain, ouah! Le coffre, on a pas réussi à l'ouvrir. Non, à mon avis, on a raté le test. Ouais. T'avais un test de divinité à faire pour reconnaître la divinité. Bah non, on a su que c'était Célune. Ouais, mais à mon avis, c'est pas Célune. Est-ce que je consomme une potion ou est-ce que vous avez un heal à partager? C'est beau de te voir essayer quand même. Et là, mais là j'ai juste. Attends. Il n'y a pas moyen de le choper, hein, tu sais, tu peux faire ce que tu veux. Il va encore crever. Moi, je l'aurais bien juste pris avec nous en fait. Mais j'ai. Non, j'ai essayé, c'est pour ça. Le premier dégât que je me suis pris, c'est quand j'ai voulu prendre le coffre. Ah, t'as voulu essayer de pick-up, ouais. Ouais. Ah non, j'ai pas essayé de le réouvrir. Je suis de deux, mais pas ce point-là. On se casse, du coup? Bah oui. Oh, je suis déjà dehors. Ah, pardon. Je sais pas si t'as utilisé des sorts, Arda, mais tu peux utiliser ton truc, là. Quel truc? Bah, t'as dit que t'avais un truc pour récupérer des sorts. Arcane Recovery. Ah oui, non, mais je vais pas utiliser Arcane Recovery pour récupérer un emplacement de sort de niveau 1. C'est... Non, mais je sais pas, hein. Moi j'ai utilisé mon truc pour récupérer mon key, ça, vu que ça m'en redonne 2, donc j'en avais dépensé. Restauration magique, récupérer vos emplacements de sort utilisés en dehors des combats, c'est au pluriel. Mmh. De la belle add-on. Ah, j'ai pas vu. Bah, c'était là où je suis. Oh, non, bah c'est... J'ai déjà looté pas mal de trucs là sur le chemin. Alors. Bien, faudrait qu'on remonte au niveau du pont. Yep. Y'avait pas d'autre pont.
Je sais pas là, regardez, je vois des chemins. Ouais, mais tu peux pas y aller là. Ah ouais, c'est enfin, moi je peux pas y aller en tout cas, toi peut-être. Mais... Ça fait quand même loin à sauter là. Ah non, mais. Là, c'est pareil, on peut sauter. Là, on peut sauter. Oui, effectivement. Où c'est ? Ah, pour remonter par là, ouais. Bon, moi, je suis sur le pont, hein. Je sais pas vous, mais... Attends, je vais suivre... Je vais suivre Weird, comme ça, au moins. Ah bah oui, de toute façon, j'arrive de ce côté du pont. Mais fais gaffe ! On t'a dit qu'il y a des ennemis dans le coin. Ah bon ? Qui c'est à moi ? Mais je non, cache. c'est Il faut surtout pas se balader tout seul dans ce jeu, c'est mauvais bail. Va pas explorer dans ton coin. Oh là là, mais il y a plein de cadavres ici, mais vous pouvez pas nous retrouver. Et on est juste à côté, hein. Tu regardes la map, on est côte à côte. Hein. Ah, ouf, putain, j'ai eu peur. Les aventuriers morts. Sur moi j'ai des scrolls. Je viens de choper des scrolls. C'est un dessin de gobelin. Detectot. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Là il y a encore. Ah, il y a un tiflin mort un peu plus loin, mais c'est juste à côté de l'entrée donc ça pue l'embrouille. Est-ce qu'on aurait pas moyen d'y aller en mode fufu en passant un peu plus loin? Là il y a des champis là. Ah! Bien joué la perception qui fonctionne. J'ai besoin de faire un tour ici. Regardez. Genre, comme ça. Ouais, y a un attends, y a moyen de descendre là. Surtout. Y a moyen de descendre surtout. Y a un gobelin qui est juste là. Ouais. Au pire, on peut descendre pour aller je sais pas où après. Oh, c'est une guerrière gobeline de niveau 2. Je pense que ça se défonce assez facilement. Je vois pas là. Ouais, je vous attends. Hein, Il y a un autre gobelin qui arrive. Il y en a un autre qui arrive. Oh merde. Wow. Ah d'accord, ok. Oh. C'est à combien de PV un gobelin? 9. Il a 15 ans. Ah, tu m'as bloqué le chemin. Qui? Toi. Bah attends, je le défonce là, l'autre là-bas et... Ah ok, tu fais celui-là avant. Si c'est que ça. Oh! Quelle arnaque! Ouais. Hey, coriace celui-là. Il a voulu te jeter. Il a voulu te balancer littéralement. Ah bah, mais enfin. Quel. Hey. Ah, là, quel... il a bon bougé. Quel enfin, non-respect. Chose, oh là là. Il est intuable. Ah. Si, t'as vu, il est tuable. Il m'a cherché. Il est mort. Faites gaffe, il y en a d'autres un peu plus loin. Ce qui est bien, c'est qu'on a buté son pote. Attends, on peut aller dans la maison là. Vous voulez pas aller dans la maison? C'est en cours. Il semblerait que ce soit l'élite de Kato. Ah, je trouve un casier de bouteilles de vin.
C'était quoi ce cri? Ah, alors moi je vois des gros trucs. Des gros trucs? Ah oui, là. Là où je suis, il y a... Attends, reping sur la carte s'il te plaît. Voilà. Ah ouais. Moi je vois rien. Ah bah il y a un petit comité d'accueil. Ah. Bah, ouais, ils ont l'air tout gentils. Ouais, ouais. Ah, ouais. J'espère qu'ils le sont, hein, parce qu'avec 59 PV, bon... Je pense que... Wow. Ah, ouais, il y a une petite trappe là. Hein, il y a une trappe là. Ah ouais. On descend ou... On va tenter. It says there's a cellar here somewhere. Passe le premier, hein. Je suis descendu. Y'a rien dedans. Je vais chercher la trappe. On peut... Y'a rien? Ouais. Moi, quand je suis arrivé, y'avait que dalle. Y'a un bureau. Du coup, vous remontez? Non, y'a plein de trucs, hein. Y'a pas de méchants, c'est tout. Ah! Mais c'est quoi, y'a des trucs à loot, quoi? Ouais. Y a des petites herbes, des caisses, des bouteilles, non, des vêtements. Perception ratée. J'ai perception, j'ai vu. Attends. Ah, ok. Alors attendez, moi je vais aider la gueule. Yes. Oh. On y va tout de suite ou on finit de looter, on est d'accord? Attends, on finit de looter d'abord. Sinon on s'en sortira jamais. C'est tellement plein de petits trucs. Vous avez trouvé des trucs intéressants? Pour l'instant, non. C'est vraiment une baraque de médecin, quoi. Ouais, ça, c'est un petit guerre. 4 potions de soins, je prends. Ah, c'est toujours bon à prendre, oui. On continue l'exploration. Oui, il reste des trucs à loot, là. Il reste des trucs à loot? Il y en a des tant que ça? Il y a des trucs qu'on a pas ouverts, quoi, tu sais. Ouais. Allez, les tanks devant. Oh, ça y est, on peut prendre des tableaux, je crois. Donc il semblerait que tu seul tank. Bah, je suis devant, je pars en éclaireur. Ok, le tank passe devant et des cercueils vermoulus partout. Ah, c'est ta sauvegardé. Sauvegarde automatique. Ça sauvegarde automatique. Attends, t'as cercueil vermoulu partout, ça sucks ton truc. Ouais, je vais mettre des petits sorts contre les morts vivants. Je pense que là, par là, il y aura... Non, j'ai pas dit que je voulais y aller. C'est ça que je voulais faire. Par là, je pense qu'il y aura des trucs. On sait jamais. Là, j'ai un sort dans ce cercueil-là, il y a un sort... Merde. Let's go. J'ai eu le temps de... Mais il se barre en plus, ce con. Il ouvre les cercueils de ses potes. Attends, c'est quoi? C'est du... Mimnir, t'as pris trop cher. Quoi? Bah il avait déjà plus de favor en fait. Ah, mais pourquoi Katox il est en discussion là? Katox, on se fait attaquer, hein. Bah oui, j'étais en discussion. attends. Mais t'es en discussion où et avec qui? Oui. Bah attends. Je vais charger. Je vais charger comme ça tout le monde. Bah non, si, c'est... Bah la sauvegarde, vous avez fini? Mais non, mais tout va bien, c'est, là c'est à Mimnir de jouer, fais ta discussion. C'est juste qu'on se demande où est-ce que t'es passé? Oui voilà, c'est plus ça, si on était, j'étais là, pourquoi il est pas là, mais...
Mjolnir, il trouve des, des coffres dans la terre en passage. Oui. Ah, elle peut pas taper. Ah si, mais c'est parce que... Ah. Le miroir me demande mon nom, est-ce que je lui donne mon nom? Peut-être pas tout de suite, non. Comment on se la joue, celle-là? On va se la jouer comme je sais ça. Pas, je pense que je vais leur balancer des trucs de radiance dans la tronche. Putain, seulement 3, 3 et 3? Bon, j'ai plus de ki, mais... Ce qui est bien, c'est que je suis censé faire 3d4 plus 3 de force, et je lui ai fait que 9 de dégâts. Bah, et peut-être qu'il est résistant. T'as regardé la résistance? Penses-tu? Penses-tu que j'ai pensé à faire ça? Il n'y a pas l'air d'avoir de résistance à des trucs, hein. Oh là, allez. Oh là là, le coup critique. Sur moi? Oui. Ouf. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Bon, je pense qu'il va falloir dépoter un peu. Ah, super, let's go, on fait ça. Tape-le. Allô. T'inquiète, on t'entend. Non, 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 mais mm-hmm. C'est mon arme, j'essaie de taper sur le mort-vivant, mais j'y arrivais pas. Ah, elle peut voler, mon arme. Pourquoi je te vois sans sans armure? Parce que de toute façon j'en ai pas, donc je peux remettre ça si tu veux, mais ça change rien, j'ai pas d'armure dans tous les cas. Let's go les gars, bravo. Ça aura coûté cher tout ça. Ah ouais, je t'avoue que là, bien souffert, ouais. Ah, si quelqu'un, s'il manque une pelle à quelqu'un, là il y a une pelle encore. Ouais, je veux bien la pelle. Là au bout, marche chemin de convocation de Quasit. Au bout, à côté des trucs qui est de belle. Bon, en gros, j'ai parlé. Tiens, ici, Arda, dans le coffre, il y a des trucs pour toi. Ok. Dans le coffre qu'on a déterré là, il y a des parchemins. Non, mais t'as dit qu'elle a été où l'appel là? Parce que je la vois pas en surbrillance. Si tu fais Alt. Ah oui, non, tu la vois pas. Bah, tu vois les deux. Là. Ah, ouais. Ah mais la quantité de parchemins. Bah au moins comme ça te fait des spells, t'as pas besoin de spell slot pour lancer les parchemins, donc c'est pas mal fou. Aussi tu vois. C'est pas fou. Vous avez checké tous les cercueils là? Non celui-ci non. Deux pièces d'or. Yes, il y avait une bougie dedans, let's go. Ah attendez, je vais soigner tout le monde peut-être. Ah, je suis pas contre. Je suis pas contre non plus. Je peux faire l'équivalent de la chanson du repos. Hein. Ah non, putain, c'est un level 2. Ouais, non, je peux pas, j'ai plus de spell slot. Attends, bah, je viens de faire la chanson. Ah, merci. Ah, j'ai récupéré tous mes PV, tout mon ki. Ça fait plaisir. Et donc, qu'est-ce qu'il te racontait, le miroir? Il me demandait mon nom. Et alors? Et puis, je donne mon nom, il me dit vous m'êtes inconnu. Et là, ils sont, si vous êtes son allié, avancez et faites le savoir. Donc, en vrai, il doit y avoir une phrase ou un truc comme ça. Ah, d'accord, moi j'ai tapé sur le miroir. Et je pense pas que l'intimidation fonctionne. Donc, globalement, il doit y avoir un truc planqué dans les. À l'étage ou un truc comme ça, une phrase dans un des bouquins qui est en haut. Flemme d'aller lire. Je passerai vite, on verra. Bien. Après, en fonction de ce que vous lui avez dit, parce que comme c'est tu donnes ton nom, moi tu vois, j'ai donné un nom en elfe. Toi, je sais pas en quoi tu l'as donné. Ouais, c'est ça. T'arrives à la même chose, je ne connais pas ce nom-là, machin. Peut-être que le nain, peut-être que toi tu peux dire un truc en nain, je sais pas. Je vais regarder si j'ai pas de. T'es remonté, Katox?
Et un registre. Il n'y a pas un livre en bas, quelque part. Ah, si, si, le registre de registre. Qu'est-ce que tu as appris d'intéressant dedans? Les différents motifs de consultation. T'es vraiment en train de l'intimider, le miroir? Oui. Ça me fume. Allez, ah, c'est ouvert. Ça me fume. Avec l'intimidation. T'as vraiment intimidé un miroir. T'as gagné de l'inspiration. Oh, et, en plus, dis-toi que j'ai un voisin. Je suis pas charismatique. Moi, j'étais en train de me dire, ouais, non, moi, en tant qu'MJ, tu fais intimider un miroir, le truc. comment te dire? Oh, ouais, attendez. Rejoignez-vous là parce que je pense que il peut y avoir quelque chose qui nous tombe sur le coin de la gueule. Ouais, clairement, ça pue un peu. Il y a une grosse bestiole là. C'est qui une grosse bestiole? Au plafond. Bah, il y a un gros. Ah, morceau. Oui, d'accord, un squelette. Bah, oui, une bestiole. Et, moi, je croyais que tu parlais d'un truc vivant. Avec des grosses dents pointues. Ah, ça ressemble à un musée, hein. Il y a des trucs à looter. Il y a un bouquin. Manifestement, ça donne sur un autre chose, parce que là, derrière, je vois une maison. J'ai un levier, là, pour aller... Donc ici, il y a une suite, si jamais. Hein. Oh, j'ai trouvé... Oh. Une pierre sylvaine. C'est quoi? Je sais pas, ça va être un ingrédient pour... Ok. C'est un ingrédient pour l'alchimie. J'ai toujours pas compris comment on ouvrait la fenêtre de l'alchimie. Mais... Ah si, ça, si, ça permet de faire de l'huile de diminution. La nécromancie du thé. 2 sur 2. Il y a un bouquin maudit, je pense, derrière une grille. Ah ouais. Il y a un coffre là. Ah, bracelet de défense. Bonus de plus de la classe d'armure tant que vous ne portez pas d'armure et que vous n'avez pas de bouclier. Mais Jeff, si jamais ici il y a 10 milliards de trucs ou pas. Donc c'est soit pour. Soit pour Arda, soit pour Atemir. C'est quoi? Attends, refais-le. Donc vous bénéficiez d'un bonus de plus 2 à la classe d'armure tant que vous ne portez pas d'armure et que vous n'avez pas de bouclier. T'as combien de classes d'armure, Arda? Qu'est-ce que j'en sais? T'appuies sur I et c'est le chiffre où il y a marqué AC. Ou CA, je sais pas comment c'est en français. Oh, c'est CA. Bon, bah prends-le. Classe d'armure de base plus 1 dû à la dextérité. Mais ça, moi j'ai 16. Bon, 18, je t'avoue que ça serait pas mal, mais... Des bracelets de défense... J'ai des bracelets qui sont pas mal déjà, mais... Ah, bah ça me fait un CA de 13. Bah c'est pour ça, au moins, tu seras un peu moins tuable, on va dire. Ouais. Bah, après, tu t'es jamais fait meuler la gueule vraiment. Bah si, là, tout à l'heure, il y a le Holbert qui est venu voir, qui dit bonjour, tu vois. Alors, le Holbert, il m'a fait mal. Les squelettes agiles, ils m'ont fait mal. Bah, ici, si jamais j'ai un truc... Ah. J'ai un truc, là. J'ai un piège et derrière il y a une porte. Je sais pas j'ai comment. Un levier. Non, le levier c'est pour ouvrir une porte pour la suite là où t'es. Je sais pas comment vous faites pour lancer des trucs sur les pièges. Donc j'ai pas tout compris mais. Tu prends l'objet et. Tu prends l'objet, c'est-à-dire. Le glisses. Bah, ça va être un objet déplaçable mais. Bah par exemple le bras 0, tu cliques dessus, tu maintiens le clic enfoncé et ensuite tu le déplaces. Lui n'est pas déplaçable. Ah lui il est pas déplaçable. Par contre, ah mais attends, c'est peut-être... Non, mais attends, allumons les deux bras 0. J'aurais une chaise dessus. Allume le bras 0 de ton côté. Comment on fait pour allumer le bras 0? Tu fais clic droit use, non?
Je suis devant. Voilà. Ok. Je vais essayer d'aller passer. Trap. Attention. J'ai une clé, hein. J'ai une clé. Ouais, mais je voulais lockpick. J'ai fait 26 sur 15. Il y a un piège. Gaffe, il y a un deuxième piège sous l'autre. Bouquin. Oh, il y a 10 000 pièges. Attends, yep. Peut-être qu'en se tenant derrière le truc. Attends, là. Je suis là, 2 secondes. Ah non, parce que si ça explose, moi je vais partir. Hein. J'ai envie de. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est mort en faisant ça. Oh, la gargouille, surtout, je sens qu'elle va se réveiller. Allez, où? Ah! Peut-être. Non, attends! Ah oui, non, c'est des pièges qu'on peut désarmer, ouais. Ah, open seal. Oh, dame. Qu'est-ce qu'il y a? Le livre et une sale gueule. Ah ouais. Vous l'avez lu, là, le bouquin? Il est en train. Après, tu crois qu'on peut foutre une table, enfin une chaise sur le truc? Je sais pas. Pour l'instant, je l'ai pris sans trop de problèmes. Je vais laisser à sa place et je vais laisser Arda y aller. Allez, Arda. Allez, faites place. J'ai mis la chaise dessus. Je le récupère? Non. Attends, moi je veux bien le lire aussi. Laisse le mage faire son office. Oh oui, effectivement, il est dégueulasse. Ouais. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You've seen similar books in wizards' libraries. A tome on Thayan magic. A rare and expensive find. But people have gone mad reading less dangerous texts. Rangez le livre dans votre sac, vous êtes sûr? Ouais, oui, on le vendra. Ouais. Là, j'ai mis une chaise dessus, y a pas de piège. Il ne peut rien se passer de dangereux. Alors, combien est-ce que ça vaut? Vas-y. Vends-nous du rêve. Bah, c'est 14. 2. Ouais? Ça vaut 14. Peut-être qu'il faut lui donner un truc à faire avec. Claim, ouais. Bon, je push le lever. Bah attends, on arrive, parce que sur la carte il se passe des choses, alors... Comment ça il se passe des choses? Ah, et sinon j'ai l'étreinte du Père Chêne, une armure intermédiaire de classe d'armure 13. Les morts vivants qui touchent le porteur reçoivent 1 à 6 points de dégâts radiants. Les bêtes sauvages qui touchent le porteur lui infligent 1 à 6 points de dégâts radiants supplémentaires. Par contre ça c'est pas cool. Ouais. Ce sera à revendre. Et vous m'avez encore laissé derrière. Non, pour l'instant, on a rien de mieux. Mais c'est énorme le. Grosse sous-sol. Ah, c'est pas. Elle est pas déjà venue. C'est pas un petit sous. Non, elle est déjà venue là. C'est l'entrée. Hein? Stylé cette petite caverne. Bon, ouais. Est-ce qu'on se farcit quelques gobelins ou est-ce qu'on s'arrête là? Ah bah, comme vous voulez, hein. Bah, il y a des trolls aussi. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait des copains. Ouais. Non, mais eux, par contre, je veux bien qu'on fasse un long rest parce que moi j'ai plus de sort après. Donc, Peut-être qu'on peut se faire les gobelins qui sont dans la cour. Oh non, mais attends, il y a des gobelins aussi au-dessus de nous là. Ouais. Il y a un étage manifestement. Comment on pourrait monter par-dessus? Alors, plus haut. Je vais essayer de sortir, voir si on peut. Il y a une échelle juste là sur le côté. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on lance le combat. On se retrouve à tout ça dans un après, long combat. On peut se faire un rest ici et ensuite combat. Hein.
Ou c'est quoi, c'est la durée de l'épisode le problème, c'est quoi? Les deux, en général. J'ai aucune idée de combien ça fait. Ça fait 1h10. Ah, et c'est trop long. Après, on peut faire une pause, on fait le long rest, on fait le combat et on voit combien de temps ça dure, tu vois. Bah, il est 3h du mat. Et alors? Moi, je commence à avoir envie de dormir, hein, je vais pas mentir. Moi aussi. Ah. Non. Moi, j'ai très envie de jouer. Moi aussi, mais j'ai aussi très envie de dormir. Ouais, faut se retrouver demain aussi. Hein. Bon. Non, moi, demain, je peux pas. Non, bah tiens, il y a Keltox, je crois qu'il va. Enfin, je peux, mais demain matin. Je peux pas. Après, j'ai des gens qui arrivent chez moi. Keltox, il fait dodo. La façon dont. C'est mieux fait. Elle est dans le lit, on dirait qu'il est en train de mourir. Non, je m'étais. Moi, je regarde qu'elle dit en fait. Ah ouais, c'est vrai. Et les elfes, ils méditent quand ils dorment. Moi, je piote, c'est tout. Bien, du coup, on s'arrête là. Allez. On va s'arrêter là. Qui avait lancé l'épisode? Toi, je crois, non? Oui. Je sais pas. Ouais, c'est toi. Moi, je sais. Non, ça devait être Katox. Bon, alors, dans tous les cas, on vous souhaite une bonne nuit et on vous dit à la prochaine fois. Ouais. Yeah, à bientôt! Allez, ciao! Ciao!